Hey, salut à tous les amis, je suis le capitaine Goltor, Barbefer. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de WRPG, évidemment. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait laissé de côté. En ce moment, je vous avoue, j'ai tellement pas le temps. Mon esprit. Ta gueule, putain, ça commence déjà. Ah mon dieu, non mais bref. Ouais, non, j'ai vraiment pas trop le temps de jouer à WoW. J'essaie de préparer plein de choses en même temps, puis l'IRL, tout ça, bref. Donc, du coup, aujourd'hui, on va partir comme convenu, hein, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, donc, vers Kalimdor pour aller faire les quêtes qui nous restent à faire par-ci par-là. Juste avant, je vais récupérer une boîte aux lettres, quelque part par là, qui pourrait éventuellement me donner le bonus donc de réputation et de comment ça s'appelle? Et d'XP de l'anniversaire de World of Warcraft. Waouh! Une autre année s'est écoulée pour WoW. Nous voulions vous remercier à nouveau pour votre participation continue. D'accord. À World of Warcraft. Voici donc un cadeau d'anniversaire qui vous accompagnera dans vos aventures. L'équipe de développement de WoW. Bon, ils auraient pu faire autre chose. Malheureusement, c'est un petit peu le truc habituel. Donc, 200. Hein? Oui, donc ça, on va faire ces quêtes-là. C'est plutôt pas mal d'ailleurs, on va les faire, tiens. Goltor, chaque année, je me rends à Hurlevent pour aider les aventuriers tels que vous à méditer sur notre histoire commune. Même s'il faut rester tourné vers l'avenir, on ne doit en aucun cas oublier le passé. Venez me voir à la bibliothèque royale de Hurlevent et nous parlerons plus avant. Écoute, on discutera. Nous avons donc récupéré la quête qui nous permet de faire les donjons de Marcheur du Temps. Et enfin, ce petit objet, quand on l'utilise, nous donne 13% d'XP et de réputation bonus. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment un superbe objet. On va le claquer là. Et d'ailleurs, on a notre petit tabard ou anniversaire qui ne change pas depuis 10 ans, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Mais bon, bref. En fait, j'aurais préféré un. Je vous dis franc. Mais attendez, on va aller à Hurlevent. Qu'est-ce que je m'emmerde? Partons à Hurlevent. Ça me ramène où? C'est chez les nains, c'est pas grave. On va partir à Hurlevent. On va aller à Hurlevent. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce TP là, super stylé. On va aller à Hurlevent pour faire ses quêtes. Comme je disais, oui, j'aurais espéré un cadeau un peu plus sympa, type. Vous savez, lors de la sortie du film de WoW, de World of Warcraft, ils avaient donné à tout le monde une épée et un bouclier épique qui servait à la transmo, qui était vraiment sympa. Et je trouve dommage qu'il. Putain, Wikora qui casse les couilles. Je trouve dommage qu'il n'ait pas fait un truc comme ça pour cet anniversaire. Bon, on a accès à un raid qui a été fait pour l'occasion. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, tant pis. Donc on va aller faire ces petites quêtes là, tiens. On va profiter pendant qu'il y a l'event. Et j'annonce au fait, ça y est, hein, tous les petits raids en solo sont terminés. Hein, nous avons fait tous les raids en solo qui existaient depuis le WoW Vanilla jusqu'à World of Draenor. Évidemment, ceux d'aujourd'hui de Légion, je ne les ai pas faits parce qu'ils sont un peu trop compliqués, on va pas se mentir. On y va en fly, on y va en. Non, c'est trop stylé d'y aller au trap des profondeurs. On va prendre le trap. Donc il ne restera plus qu'à faire donc ces raids de Légion lors de la sortie de l'extension Battle for Azeroth. Donc je ne sais pas encore si on va les faire avec Goltor ou si je continuerai mon petit Ymir. On verra en fonction, même si je pense vraiment que ça risque d'être Goltor qui va prendre la relève. Comme j'ai dit, ça risque d'être mon main. J'aime beaucoup la façon dont ils ont changé les. Comment ça s'appelle, les classes. Les changements à prévoir et tout ça. Enfin bref, beaucoup de choses peuvent être cool. Donc on va voir tout ça. Beaucoup de gens aussi m'ont posé la question comment on va faire parce qu'il va y avoir maintenant une mise à niveau des personnages en fonction de la zone où tu te situes qui risque de poser problème sur certains endroits. Donc déjà, pour l'instant, c'est encore un petit peu obscur. Hein, ce serait que pour les gens qui utiliseraient les comment s'appelle les nouvelles races, hein, la race de par exemple les nains de les Sombrefers. Je vous le dis de suite. Hein. Ça par contre, c'est officiel. Hein. Je vais claquer du pognon pour passer notre Goltor en Sombrefer. C'est fucking obligatoire. Ça, il n'y a même pas à tortiller du cul. Hein. Ça, c'est obligé. Les Sombrefers, c'est tellement stylé. Bon, j'aurais aimé les Vricules, mais les Sombrefers, c'est quand même vraiment cool. Donc dès qu'ils vont être là, je transformerai notre petit nain, qui restera nain, évidemment, mais ce sera un nain Sombrefer. Ce sera juste la différence. Donc voilà. Bref. Donc beaucoup encore de questions pour ça. Donc oui, comme j'ai dit, les gens me posent la question, comment tu vas faire pour sauter les raids? Est-ce que ce sera toujours possible et tout? Moi, je pense que oui, hein, ce sera toujours possible. Parce que Blizzard a toujours pensé aux gens qui solotaient les raids. On dirait pas comme ça, hein, mais ils ont fait beaucoup de changements dans plein de raids pour permettre aux gens de pouvoir se les soloter. Je pense notamment, par exemple, à la citadelle, la couronne de glace. Le boss, que je me rappelle jamais son nom, alors que je suis un fan, hein, de Lich King, vous pouvez me dire, espèce de connard. Citadelle. Citadelle, donc voilà. Valitria.
Normalement, c'est un boss qu'il faut heal pour pouvoir passer. Et, mais de toute façon, vous l'avez vu, si vous avez vu mon petit raid en solo, il n'y a plus besoin de le healer, vous pouvez directement passer outre, et ça, ils l'ont fait exprès, justement, pour les gens qui veulent se soloter les raids. Pareil aussi pour Galakras, hein, pour, comment ça s'appelle, pour le siège d'Orgrimmar. Avant, il fallait être deux sur les canons, vous avez vu, maintenant, tout seul, ça passe, enfin bref. Il y a plein d'exemples comme ça à donner. Blizzard aime laisser le contenu possible aux joueurs pour pouvoir, enfin possible, ça veut rien dire ma phrase, mais bref, vous avez compris où je veux en venir, hein, Goltor est fatigué. Putain, le Goltor, est-ce que vous comprenions où je veux en venir, hein? Bon, voilà. Non mais voilà, ils ont fait en sorte que les gens puissent soloter les raids, même au fur et à mesure des extensions, donc je ne pense pas que ça changera à Battle for Azeroth, au contraire, hein, je pense que ce sera toujours aussi simple, donc, et puis sinon, au pire, hein, avant justement Battle for Azeroth, ben voilà, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Si vous vous ennuyez et que vous avez peur que les raids ne soient plus accessibles après en solotage, ben allez-y maintenant, comme ça au moins. Vous ne serez pas bloqué. Mais bon, je vous avoue, je mettrai mes testicules à couper. Ah oui, quand même. Que Blizzard va laisser ça. En fait, ils n'ont aucun intérêt à l'enlever parce que eux, ça leur permet de donner du contenu aux gens. Même si bon, on sait qu'ils aiment bien l'enlever, hein, généralement. Mais bref. Ça permet d'essayer du contenu aux gens, et en plus, les gens revisitent un peu tous ces raids-là sur lesquels ils ne sont jamais allés, donc pour eux c'est tout bénef, ils s'en foutent. Hein, donc il n'y a aucune raison qui bloque ça maintenant. Donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, et on verra donc au fur et à mesure qu'est-ce qu'ils vont nous pondre pour la suite, mais je pense que vu qu'il y a maintenant, il va y avoir des armures légendaires et tout ça, à mon avis, enfin des sets d'armures légendaires, à mon avis, les raids de Légion, on va y aller, on va leur faire coucou, tu veux voir ma bite. Bref, on va les défoncer et on pourra se faire aussi les mythiques, hein, d'ailleurs, comme par exemple le siège d'Orgrimmar. Alors monsieur, l'historien, les historiens. Ah, vous voilà, Goltor. Vous avez dû recevoir ma lettre téléportée par magie. Ici, les facteurs, on les vire tous. Hein. Eh oui, magie pour vrai. Bon, point de venir sans histoire. C'est tout ce que t'as à me dire. Autant de la réflexion, peut-être. C'est de quel jour-là? Il est temps de revenir sur les événements qui nous ont menés ici, en cet instant précis. C'est les bons comme il se donne notre grande histoire et les événements qui l'ont façonné. Répondez correctement à une des questions de Laure à propos de l'histoire d'Azeroth. Ah. Je suis pas très bon pour ça. Bref, très bien. Mettons à l'épreuve vos connaissances de l'histoire. Complétez cette citation du cavalier sans tête. Le mystère est défait. La vérité à nu. Le destin désormais va choisir son barbu. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, c'est pas ça. C'est pas son perdu. À mon avis, c'est son élu. Oui, attends. J'ai envie de dire, c'était un petit peu de la logique. Je vois mal le cavalier sans tête commencer à dire ça. Ou alors, si c'est le cas, je change le personnage préféré, hein, pour moi de World of Warcraft, qui est Lich King, et je prends le cavalier sans tête. Hein, parce que avec une citation comme ça, il passe dans mon top 1 direct. Bon, donne-moi la récompense, enculé, va. Allez. Oui, non, mais c'est bon, j'ai réussi la question. Donne-moi les sous-sous. Yes. On se casse. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Bon, si on est plus haut niveau, en fait, après, on a une suite de quêtes qui nous demande d'aller tuer des monstres un peu à droite à gauche, et de récupérer donc les quêtes qui nous permettra après d'aller faire le raid en question, le raid qui a été remis au niveau du jour, mais bon, on s'en fout un petit peu. Putain, One to Sell, Tomb of Sargeras, Heroic, Full Run, Gatal Drop, putain, allez mourir, bande d'enfoirés. Je déteste ça, putain, c'est un truc. Ouf. Bonjour, vous payez un abonnement pour jouer? Est-ce que ça vous dirait de devoir payer pour accéder au jeu? Comme ça, vous avez tout payé. La famille régnante d'Alterac? Non, mais Alterac va te faire foutre. Alterac, non. Bon, par contre. Il faut qu'on retourne donc à Kavestan dans les Tarines du Sud. Ça, c'est un petit peu un mauvais play là. Hein. J'aurais pu directement aller sur place, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Et oui, parce que là, on va devoir se retaper le chemin jusqu'à. Comment ça s'appelle, Baie du Butin pour prendre le bateau pour nous amener là-bas. Ça va être long. Ça va être long. Mais ça va se faire. C'est pas grave, comme ça, on peut discuter un petit peu. De toute façon, là, je suis parti pour faire quelques heures de haut là, de RPG. Je vais essayer de tourner un petit peu plein de vidéos. Maintenant qu'on est tranquille, hein, qu'on n'a plus les raids en solo. Enfin, qu'on est tranquille, attention, je faisais pas ça. Je sais que je répète plein de fois, ça y est, c'est cool, on a terminé. Mais je le dis pas en mode, ouf, soulagé. Non. C'est-à-dire que voilà, maintenant on peut se concentrer un petit peu plus sur vous. Et on a quand même fait un sacré taf, hein, mine de rien. Je suis bien content qu'on ait réussi à tout terminer. Hein. Parce que c'était quand même pas mal de... Bon, évidemment, hein, c'est ceux de... Comment ça s'appelle? De Warlord of Draenor qui m'ont posé le plus de problèmes, mais...
Mais sinon, quand même, il y avait pas mal de choses. Salutations. Qui étaient un petit peu tendax du Stringas. Allez, baie du butin. Ligne droite. Yahoo! En avant. Alors, attendez aussi, il faut qu'on regarde où j'en suis au niveau des raids. De mémoire, normalement, il faut qu'on fasse Stratholme. Vérifions. Non, Skolomance. Skolomance, pardon. Oui, Stratholme, on va se calmer un petit peu. Remarque si on peut y aller déjà, mais bref. Donc, Skolomance, comme vous voulez. Hein. Voilà, je le prononce un peu à la franglaise. 38 à 48, on est 46, on a le temps. On est oui, on est tout juste ici au niveau d'XP. Donc, easy shit. Vraiment tranquille. Les donjons, enfin les BG, on n'en fera jamais, hein, je pense. Parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. On gagne beaucoup trop d'XP. Et puis bon, c'est. En fait, je sais pas comment vous dire, mais. Il y a des gens qui jouent extrêmement bien, mais pour moi, le niveau des joueurs, tu le vois pas en BG, tu le vois en arène, quoi, parce que bon, quand t'as 40 mecs qui te font sur la gueule, t'as beau être un super joueur, bon, tu vas te faire démonter, hein, comme c'est pas permis, donc c'est un petit peu le truc pour lequel j'aime pas trop. En plus, le problème que j'ai moi, c'est que j'adore les BG du type, des BG pas très longs, vous savez, genre Rivage des Anciens, Vallée d'Alterac, vous savez, des trucs que tu finis en 5 minutes, quoi, tu vois. Avec des beaux décors et tout ça, donc non, c'est non, donc du coup on les fera pas. Ça, ce n'est pas très très grave. Par contre, niveau des talents, c'est combien? C'est 60, d'accord. Putain, c'est pas à côté. On prendra quoi? On prendra rayon de Ah, c'est pas mal ça. Nimble tous les membres de votre groupe ou de votre raid dans un rayon de 60 mètres et vous-même d'une aura protectrice qui inflige 11 points de dégâts sacrés lorsque vous subissez une attaque en melee. Palfron s'en fout et place sur un membre du groupe le raid une bénédiction qu'il protège pendant 10 secondes. Non, rien à foutre, il crèvera comme tout le monde. Non, on prendra l'aura de Vindicte. L'aura de Vindicte qui est vraiment cool. Vraiment sympa. Ensuite, on prendra The Final Countdown. Non, la résistance finale. Provoque également... Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. À moins de 15 mètres pendant 8 secondes, c'est trop fort. Palfron, on s'en fout, on commence à m'emmerder. Vous commencez à m'ennuyer avec le port. On commence à m'emmerder avec votre palfron. La lumière pour rendre à la cible 30% de ses points de vie. Tant que vous tenez dans votre consécration, les moines. Non, on s'en fout. Non, on prendra aussi encore la résistance finale. Bref, on n'est pas encore là. 75, 90, 100, donc on a le temps. On est tranquille. Au niveau des métiers. Non, je rigole. Là, il y a tout le monde. Ah non, pas les métiers. Enculé de Goldar. Ça suffit. Avouez que je vous ai fait une petite frayeur. Non, c'est bon, on a fait un épisode full sur ça, on reviendra plus tard là-dessus. On fera de temps en temps au pire, juste par petite session. Je suis sûr que je vous ai fait frissonner. Par contre, level 60, ça je vous le dis, hein. Level 60, il y a de l'archéo qui va être fait. Hein. Bon, je sais pas si je le ferai en... Non, je ferai des épisodes spéciaux pour ça. Je les foutrai en doublant avec l'épisode WRPG classique. Pour que si jamais il y a des gens qui veulent le regarder, qu'ils puissent le regarder. S'il y a des gens qui s'emmerdent, ils ne le regarderont pas. Parce qu'en fait, je vais faire que parler des objets qu'on va trouver, hein, en mode lore. Ouais, ça c'était ça, ça c'était ci, ça c'était ça. Mais bon, sinon ça risque d'être un peu chiant pour au niveau de la baston par contre. Allez. Donc retour à but du butin, hein. C'est cool, on a passé 13 minutes à rien branler. Non, on a fait une quête quand même. Voilà, t'es une quête toi. Ah ouais, non mais c'est ouais, les pèlerins, non, les pèlerins, va te faire foutre. Les events, on fera ça plus tard. Les events, on a déjà assez de choses à faire. En fait, pourquoi je fais pas les events? Tout simplement pour une raison qui est toute con. C'est que la plupart des events, comme les bienfaits du pèlerin, comme bref, tout, en fait, tout les events, te demandent de voyager dans tout Azeroth et tout Kalimdor. Il faut que t'ailles dans les capitales Alliance, comme Ordos, comme truc, pour aller éteindre des feux, pour donner des bonbons, pour tout ce genre de conneries. Et du coup, tant qu'on n'a pas de monture volante, ben c'est hyper chiant, parce que je vous dis, hein, si on se balade comme ça à Orgrimmar, il y a moyen qu'on rentre dans un sac poubelle. Hein, ça, je vous le dis de suite. Parce que les Hordeux ne devraient pas être trop contents de nous laisser se balader là-bas. Hein. Level 46, je vous le dis de suite. Hein, ils vont être en mode... Locard. Ils vont arriver sur ma gueule, bam, à dégager. Donc, on va éviter. Et je parle même pas des joueurs. Hein, ce sera juste les PNJ qui vont te défoncer. Qu'est-ce que c'est, un arrage à Sainte? Je l'ai. J'ai mon petit arrage à Sainte. Le petit Red Jacent. Par contre, il faudra aussi qu'on fasse des combats de mascotte. Hein. Putain, il y a trop de choses à faire, bordel, dans ce jeu. Mais go nerf, quoi. Donc là, on va partir en Kalimdor. Non, pas ici. Putain, on a tellement d'endroits où aller. Non, pas ici. Mais R2, voilà, ici, pour aller récupérer la quête de l'appel de Kalimdor, qui me donnera de faire des quêtes, donc, dans les Tarides du Sud. Si on regarde dans les quêtes... Dans Kalimdor, donc on a quand même quelques quêtes. Hein. Il y a un sacré paquet de zones, même d'ailleurs, bordel. Bon. Ah non, mais ça, c'est des trucs 40, 50, 40, 50, 50, 60, 90, 60, 60.
Et ben bordel de cul. Et ben oh, il y en a quand même un bon petit paquet hein, de quêtes. Hein. Putain, je pensais pas qu'il y en avait autant. Ah. Bon, on verra ça quand on sera sur place, de toute façon. Moi, ça me dérange pas de faire des quêtes, hein, vous le savez, au contraire, j'adore ça. Pour voir un petit peu ce qui se passe un peu partout, même si, bon, là, on a fait une suite de quêtes génialissime avec B du butin, l'attaque de partout, des pirates et tout. Là, je pense qu'on va repartir sur un épisode, à mon avis, on risque de devoir aller ramasser des poils de bouc au fin fond de la forêt pour donner à un mec qui va faire une potion contre la pousse des ongles incarnés. Un truc comme ça, tu vois, enfin bref, ça va être chiant comme la pluie. Mais bon, écoutez, hein, c'est, voilà. Il faut le faire. Kalim, Makarim, Makarim, Kalim d'or. Karim, Makarim, Makarim, Makarim. Bon. Vous voyez pourquoi il faut que j'ai tout le temps un truc. Faut tout le temps qu'il y ait un truc à faire. Parce que sinon, faut que j'ai tout le temps un truc à faire. Oh, mon enculé. J'ai envie de me mettre des patates dans la bouche. Faut tout le temps que j'ai un truc à faire. Parce que sinon, regardez, après, je dis de la merde. Bon, tu me diras, je dis de la merde même quand j'ai pas de truc à faire. Mais j'ai toujours mon bœuf, j'ai mon bœuf. Alors, bonjour les gobes. Mais, messieurs les gobes. Mais. Monsieur les. Ah, là-bas. Alors. Bonjour Gazleux. Vous pourrez avoir besoin de votre... Comment va? Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Bienvenue à Capestan. D'accord. Écoutez, c'est vrai que je n'aime pas particulièrement l'Alliance, hein, mais bon, je ne voulais pas vraiment non plus. Votre argent est aussi bon que celui d'un autre, et quelquefois même meilleur. Jane m'a laissé quelques pièces pour régler vos frais de voyage. Je pense que la personne que vous cherchez en Aprofange se nomme Kalia Hastings. Et le meilleur moyen de se rendre là-bas est de parler à notre maître de vol, Pragok. Il vous conduira à elle, si vous voulez. Et ce sera un vol gratuit, grâce à votre ami. Il est pas fou, le gobe. Pas fou. Alors par contre, il y a plein de quêtes un petit peu partout. C'est bien qu'on ait le buff là de répute, parce qu'on va pouvoir faire plein de quêtes avec les gobes et monter la réputation. Monter de manière encore plus rapide. Par contre, il faudra pas que j'oublie cette fois-ci, hein, comme gros con que je suis, la foire de Sombre Lune à faire absolument. Sinon, je vais encore rater un mois et je l'aurai dans l'os jusqu'au mois prochain. Alors, vous ne voulez pas célébrer les bienfaits du pèlerin? Non, vous m'emmerdez avec vos bienfaits du pèlerin, vous savez, vous pouvez vous le foutre. Putain, vous commencez à me faire chier. Alors toi, Roturi Gobelin, ça va être encore les bienfaits de pèlerin. Qu'est-ce qu'il y a ici par contre? On recherche, putain, Garveil, la capitaine de la dague de la Vierge, accusée de piraterie en haute mer, d'enlèvement, d'extorsion, d'incendie, d'esclavagisme, bref, etc. etc. Garveil est récemment arrivé dans les eaux à la tête d'un équipage de flibustiers des mers du sud et a été vu la dernière fois en train d'assaillir l'île de la dispute. Ses restes doivent être identifiables. Gazlu, preuve de la mort. Petite épée. On va prendre cette quête. Voyons, à mon avis, il va pas y avoir. Putain, mais. Ah non, voilà quand même. Il y a d'autres gens qui vous parlent d'autre chose que des bienfaits du pèlerin quand même. Les raptors des Tarides sont plus malins que les autres et je pense que cette intelligence se trouve dans leurs cornes. The fuck, man? Pourquoi pas dans leurs testicules tant qu'il y a n'importe quoi. Bref, si tel est vraiment le cas, je pourrais réduire leurs cornes en poudre et les utiliser pour en faire une potion d'intelligence. Je pourrais en tirer fortune! Ouais. D'accord, la corne, à mon avis, voilà. C'est là que vous intervenez. Je veux la corne du raptor le plus intelligent des environs, le roi Griffe Acéré, et le chef d'un groupe de raptors intelligents au sommet des pitons du nord de Capistan. Rapportez-moi sa corne, et ne revenez pas tailler en ruban comme les autres que j'ai envoyés. Oh, d'accord. Augmente votre intelligence de 4 et réduit votre endurance de 5 pendant 5 minutes. Du punch raptor. Bon, écoutez, on va accéder à sa requête. C'est encore du bienfait de pèlerin. Ouais, c'est du bienfait de pèlerin. Ouais. Par contre, je crois que si tu es assis, que tu bouffes, on gagne un buff, je crois. Je vais manger comme un goré. Je crois que si tu manges, genre, je sais pas combien de trucs, là, voilà, tu gagnes des stacks. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Manger 5 portions pour être bien nourri, augmenter votre puissance d'essor ainsi que votre endurance. Mais je peux pas manger ça? Ça fait quoi ça? Passe vers une autre assiette. Part de canne. Eh non, mais je veux pas une assiette de. Ah oui, non, mais il faut que je sorte et que j'aille manger d'autres trucs en fait, je suis trop con. Eh oui, voilà. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. On va être buffé comme le dernier des salauds. On a quoi à manger là? Du gâteau, des je sais pas quoi. Je crois d'ailleurs qu'il y a un haut fait hein, à manger un truc de chaque.
Voilà, hop, on mange, on mange, on mange, on mange. Du gâteau. Putain, j'ai pas changé ma raccourci d'ailleurs. Faut que je pense à changer ma raccourci. J'ai oublié. Et hop, une part de gâteau. C'est quoi maintenant qu'on a mangé? De la farce, bah putain, mon cochon. Ça va aller là, je pense. Gonflé comme un salaud. Ah, c'est pire que qu'être bien nourri, on va gerber dans pas longtemps quelque part quoi. Et là, maintenant, on doit manger des patates douces. Oh putain. C'est ce que j'appelle un repas. Regarde-moi ça, le temps que je prenne toute la bouffe, c'est limite si on en a déjà pas perdu le bœuf quoi. Mon dieu. Allez, on a tout mangé. Voilà, on a un méga bœuf. Ah, pendant 60 minutes. Augmente la réputation gagnée de 10%. Oh là là, on a 23% de bonus de répute. Je vous souhaite une bonne journée. Non, non. 23%. Ok. C'est quoi ça? Bienfait du pèlerin, roturier gobelin. Ok, roturier gobelin, c'est toujours la même chose. Donc, dirigeons-nous vers la quête du raptor à buter. Et ensuite, on ira sur l'île en question. Je vais faire juste un petit slash pitbull. Non. Slash bartender, BT. Voilà, Black Temple, Black Temple. Pour changer mes raccourcis. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est bon, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas de cible. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Parce que j'ai l'habitude de jouer comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, level 90, Immolateur Corcron. On va peut-être pas aller le voir, non? Mais genre, il va me massacrer ou... on est amis, genre... En fait, j'ai l'impression qu'on est neutre. Mais what the fuck, le level 90, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ok. Ok, ok. Bon, je fais que passer, hein. Restez sage, hein. Putain. Je vais me faire massacrer. On a quoi ici? Du cuivre. Non, on a dit qu'on arrêtait le cuivre. Des petites GLF. Alors, monsieur Griffe... Griffe acéré. Oui, Griffe acéré, c'est ça. Où êtes-vous? Il faut que je vous tue. Monsieur Griffe acéré. Il est là. C'est un level combien? C'est un level... Ah oui, d'accord. Griffe acéré, quoi. Ouais, non. D'accord, d'accord. Bon, bah, quête accomplie, hein. Qu'est-ce que je vous avais dit? Eh, je vous avais pas dit qu'on allait ramasser un truc qui nous servirait à faire une potion contre, le, contre la, les ongles incarnés? Bon, c'était presque ça. C'est une potion d'intelligence. Mais bon... Si vous allez par là, on n'était pas très loin du compte, hein, mine de rien. Putain, cette anticipation. On va aller faire ça et ensuite on ira faire la quête là-bas au fond. Oh là là, ce troupeau de girafes. Girafes des tarides. Je me rappelle qu'ici, il y avait une quête qui te permettait de combattre un lion blanc. Je sais plus où exactement c'était. Je sais que c'est dans les tarides, moi je sais pas exactement dans quelle zone. Et à l'époque, je parle de ça, bouh, ça fait un moment, j'avais été le dompter avec mon chasseur humain parce qu'il n'y avait que ce skin en fait en noir n'existait qu'ici. Enfin, en blanc, pardon, n'existait qu'ici. Et le noir, lui, par contre, il était en orfandre dans une zone aussi. C'était un rare qui venait là et tu pouvais le récupérer. Donc, Griffe acéré, il est mort. Tiens, pour ta potion, je sais pas quelle connerie tu vas faire avec. Parfait, vous l'avez. Maintenant, je n'ai plus qu'à la boudre, à la manière j'ai avec du vin et. Essayons. Pouah, c'est horrible. Mais en même temps, hein, tu pensais quoi? Il est pas content. Ça prendra à faire des conneries. Alors, réputation auprès de Cabestan de 308. Hein. La violence. La violence. Roturier, hôtesse, roturier et roturier. Donc, on n'y va pas. On s'en fout, on n'y va pas. Hein. On... Bref. Coltan a des chansons, putain. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Allez, donc allons tuer ce pirata. Alors c'est quoi, les flots noirs, non c'est pas les flots, c'était les quoi, comment ils s'appelaient ceux-là là, avec les worgen qu'on avait buté, merde. Ah, territoire de l'Alliance, tiens. Les, ah je me rappelle plus. J'allais dire les fiers à bras, mais c'est encore Nalbuck. Je sais plus exactement le nom. Bref, ceux qu'on avait butés, mais normalement ils sont exterminés parce que c'était des worgen. Donc allons voir ce petit. Putain, il s'est bien installé le mec, ça va? Petit banc de poisson.
Le mec il est installé en mode tranquille quoi. Il dit ça. Makura. Oh Makura, Makura, elle danse tous les... Non, faut que j'arrête. Bah, c'est bon, j'ai fait la dose là pour l'épisode en entier. On va se calmer. Hein, on commence à chanter du Bakumba. Qu'est-ce qu'on a? Des pirates donc. Coupe-gorge des mers du sud. Ouais, mais vous dropez pas de monture ou de mascotte, vous. Donc j'ai aucun intérêt de vous buter. En avant. Donc il est quoi dans la maison? Je suppose. Putain, il s'est carrément installé en mode. On a construit le petit village. On chill. Pépère. Bonjour. Putain, ça j'avoue, là par contre, c'est un moment pour farmer la répute. Hein. Buter les PNJ là, tu dois récupérer tellement de. Voilà ta tête. Ok. Putain, j'avoue, tellement. Toute cette répute. Alors je sais que ça a l'air de rien, vous direz comme ça, là, 7 points et quelques tout, mais c'est la violence, hein. Tu multiplies ça par le nombre de gens qu'il y a. Ça va être un truc de fou. Putain, je pourrais peut-être même faire ça en fait. Hein. Farmer pour. Non, on va pas faire ça, on va monter tranquillement de toute façon. On va passer exalté sans trop galérer, je pense, avec toutes les quêtes qu'il nous reste à faire hein, dans tout le jeu. Donc je pense que ça devrait être tranquille. Mais sinon, c'est vrai que c'est un truc bon à savoir ça. Hein, pendant l'événement, pendant la fête là. Je vais voir. On va voir. Je vais voir ça en fin d'épisode, voir l'épisode après, si je fais ça ou pas. Parce que ça peut être bien quand même, hein, de buter des monstres comme ça. Enfin je pourrais en plus aller au Cap Strangleron, c'est buter les PNJ pour essayer de récupérer des mascottes ou autres et les vendre pour se faire un peu d'argent. Maintenant qu'on en a gardé une pour nous. Et puis au pire, si je ne dors pas, de toute façon, j'aurai toujours au moins de la répute qui tombe. Donc ça peut être cool, je pense. On verra bien. Faudra juste penser à refil le buff pour gagner les 10% de répute hein. Avec les bienfaits du pèlerin. Qu'est-ce qu'on a ici? Du cuir. Bon. Vous avez vu, je fais un effort, hein, je l'ai pas ramassé. Quoi, Golton n'arrache pas du minerai alors qu'il passe à côté? Non, parce que sinon ça va être trop chiant. Déjà que là, les quêtes sont pas folles du tout. Enfin, pour l'instant. Donc, on va récupérer notre prime. On va voir ce que va nous dire le petit. Je sais plus comment il s'appelle. Comment s'appelle-t-il? Gazle. D'ailleurs, je me demande ce qu'il est en train de faire là-bas avec tout ce liquide dégueulasse, mais bref. Salutations. Bonjour. Alors. Tiens, la tête de l'autre con. Ah, vous parlez de ce genre de travail-là, vous savez. Ces pirates, ils sont solidaires. Le baron de Longrivage est à peine jeté en prison que son camarade Garvey débarque pour le venger. Vous ne pensez tout de même pas que quelqu'un va venir venger Garvey, n'est-ce pas? Peut-être que je devrais vous embaucher comme garde du corps. Bah écoute, si t'as les moyens pour, ouais, mais à mon avis, je suis hors de prix pour toi, mon pauvre. Beaucoup trop cher. Bon, mais c'est tout, ce qu'on avait à faire ici. Alors, ce qui m'étonne, c'est que dans Kalimdor, on a quoi? Orneval, brume sans sombre, rivage désolace, Aprefange, Gangre, bois, Ferala, Siditus, Serre Rocheuse, Tarit du Sud, Tanaris, Mille Pointes, Ungoro. Donc, en fait, tout ça, c'est pas des zones qu'on a à faire pour l'instant. Donc, on va se diriger vers Aprefange, parce qu'on a plein de choses à faire, mais on va prendre le fly. Donc, il m'avait dit, oui, c'est lui, hein, qui va me donner un fly gratos, normalement. Un vol gratuit. Voilà, j'ai besoin d'aller au marécage d'Aprefange. Aprefange. Je mélange toujours ce nom, alors qu'on vous dirait que c'est pas compliqué, mais c'est pas grave. Allez, encore un petit peu de vol. Donc, Aprefange. Là, par contre, il y a des quêtes à faire. Hein. Voilà. Aprefange. Oui, la fange. Donc, on a déjà réussi une quête. On va le mettre. Non, on va pas le mettre en suivi. On va les faire de toute façon. Ok. Ouais, on a quand même quelques zones à faire, hein, mine de rien. Bon, après, les tarides et tout ça, c'est des zones qui sont chez nous. D'ailleurs, que je. Non, pas les tarides. Je confonds. Comment s'appelle cette zone-là? Les terres ingrates, oui, j'ai confondu. Silitus, c'est ici, hein. Silitus, ouais, voilà, 55-60. Donc le reste, on verra plus tard. Faut que je pense, du coup, faut pas oublier alors à revenir de temps en temps à la capitale pour voir s'il n'y a pas l'appel des zones, là, vous savez, l'appel du héros. Pour aller faire des quêtes dans quelques endroits. Ouais, ça pourrait être une bonne idée, ça, parce que je risque sinon de rater les quêtes à faire dans les zones de bas niveau, en fait. Les mille pointes aussi, on a des choses à faire dans les mille pointes, qui sont ici. Qui level 40-45, hey, il y a quand même de quoi. Alors ça aussi, ça va être simplifié du coup, d'après ce que j'ai compris à Battle for Azeroth, parce que maintenant on aura une limite de level un peu plus large.
Je crois qu'on t'a genre presque entre 20 et 40 pour faire les. C'est par exemple pour dire une zone qui est normalement level 40, level 30, elle sera entre 20 et 40, tu pourrais y aller. Donc t'as quand même pas mal de marge ou un truc dans le genre de ce que j'avais vu. Alors tout ça c'est à prendre avec des pincettes parce que là on en parle comme ça, mais comme je dis toujours, tant qu'il n'y a rien d'officiel, tant qu'il n'y a pas Blibli qui nous a dit bon voilà, il va se passer ça, ça, ça et ça. Pour l'instant, c'est un peu des spéculations. Hein. Beaucoup de gens disent qu'il va se passer ça ou autre, mais il y a beaucoup de rumeurs sur plein de forums à droite à gauche. Donc bon, on verra bien ce qui va être fait ou pas le jour de la sortie de cette extension. Bon, madame, alors, comment allez-vous ? Bienvenue à Terramor. Terramor, très bonne zone. Ravi de vous rencontrer, Paladin. Je suis venu à Terramor pour contribuer à éradiquer le problème des déserteurs. Non seulement des zones ont abandonné leur poste, mais certains sont revenus discrètement en ville. Ces agents des déserteurs répandent des mensonges et de la propagande dans l'espoir de convaincre d'autres soldats de rejoindre leur rang. Il y en a pratiquement à chaque poste de garde de toute la ville et des docks. Trouvez-les, démasquez-les et discréditez-les, putain. J'ai les dents qui poussent. À ce stade, en faire davantage serait prendre le risque d'éveiller plus de sympathie pour eux. Ok, je comprends. Si on les massacre tous, ça serait dangereux. Tandis que là, si on chope juste les casse-couilles, ça sera mieux. Non, pèlerin. Roturier. On va s'emmerder, c'est ça? Non. Sergent Amélie. Au rapport. Putain, beaucoup de personnages féminins. Ah, tous ceux qui cassent les couilles, ils disent, oh, non, il n'y a pas de personnages féminins. Hein, depuis, il n'y a que Horizon Zero Dawn hein, qui sort une héroïne forte. Putain, il y a des jeux partout avec des personnages féminins forts. Il faut juste ouvrir les yeux. Enfin bref. Non, mais là, je m'énerve. Mais ça me gave de voir les gens qui croient que c'est juste. Qui croivent. Hein, parce que voilà, pour parler comme beaucoup de gens parlent maintenant. Qu'aujourd'hui, il n'y a aucun personnage féminin fort et que. Il n'y a que quand on sort un grand truc en grande pompe que tout le monde a fait la publicité dessus. Bon, pour l'occurrence, encore, c'est un très bon jeu. Mais des fois, pour faire des films de merde ou des jeux de merde en faisant la com dessus, alors que des personnages féminins forts, il y en a partout, putain. Allez jouer à WoW, vous verrez. Jaina, si c'est pas un putain de personnage, je sais pas qui c'est. Bref, calmons-nous. Le vieux phare qui se trouve à l'est ne marche plus depuis un moment, mais Babs Patranivelle, d'accord. Babs Patranivelle s'est mis dans la tête de le remettre en état. Je ne sais pas si elle projette de le faire toute seule, mais elle affirme que ça améliorera la circulation des bateaux et des marchandises près des quais. Donc je ne peux pas vraiment m'y opposer. Se retrouver en charge des quais, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre quand on pourrait être appelé au front. Hein. Tu es une sergent, hein. Enfin un sergent, je ne sais pas trop si on dit un ou une. Mais t'es pas censé tenir ce genre de discours. Y a une quête là-bas en haut, on va aller voir ce qui se passe. Par contre elle est en haut... Non, elle est dans la chapelle, j'ai l'impression. Rentrons dans la chapelle. Enfin bref, alors attention en fait, hein, je vous dis ça comme ça, mais là pour l'histoire des personnages féminins, je ne dis pas qu'il y en a trop, bien au contraire. C'est pas ce que je dis, hein. Attention, ne déformez pas les propos, parce qu'aujourd'hui maintenant il faut tout le temps bien expliquer ce que tu dis, et encore des fois, même quand tu expliques bien ce que tu dis, les gens te retournent ça d'une manière un peu chelou. Alors attendez, Dr. Gustav Van Hausen. Maître des secouristes. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais une quête avec toi. Quel plaisir de vous revoir, Docteur Golter. J'ai suivi vos progrès et je dois dire que vous êtes désormais en mesure d'apprendre des techniques de bandage plus avancées. Revenez voir de temps en temps, au fur et à mesure que vos compétences s'étoffent, et je vous apprendrai tout ce que je sais. Tiens, service de traumatologie de l'Alliance. Merveilleux. Préparez-vous, nous devons commencer immédiatement. Je vois plus tard. Comment il va me donner une quête, donc. Alors, triage. Bonjour docteur, vous subirez un test quant à vos compétences de diagnostic et de triage des patients cet après-midi. Si vous réussissez cette épreuve, vous rejoindrez les rangs des médecins de l'Alliance. Maintenant, faites bien attention. Ceux qui agonisent doivent être soignés en premier. Ensuite viennent ceux qui ont été gravement blessés. Les blessés seront quant à eux les derniers à recevoir des soins. Vous devez sauver 15 patients pour réussir l'examen. Si 6 patients meurent pendant le triage, vous aurez échoué votre examen. Bonne chance docteur. Oh putain! Certificat de traumatologie. Oh, c'est énorme! Putain, c'est trop bien! Vite! Alors, on a quoi? Blessé. Agonisant. Ah oui, quand même. D'accord. Blessé. Donc, les blessés maintenant. D'accord. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas en dessous, hein? Non. En
encore du blessé. Et que du blessé là, hein. Leur état ne s'aggrave pas, j'ai l'impression. Lumière glorieuse. Tu ne meurs pas, t'inquiète pas, tout va bien. Faut sauver 15 patients. Je vous sauverai tous. Je suis surpris. Merci docteur. Y a pas de quoi, je suis un docteur expérimenté, blessé, agonisant, blessé. Donc le prochain c'est lui. Merde, j'étais pas face à lui, il faut être face... Ou alors il est disparu? Non. Non, il est mort! Il est mort! Blessé, blessé, blessé. Putain, mais ça va vite, quoi. Faut se manier le cul, un truc de fou. Blessé. Putain, ça veut dire qu'il faut regarder là où il n'y a pas des... Blessé, blessé. Bon, il n'y a que des blessés, il n'y a pas d'agonisant, j'ai l'impression. Là-bas, blessé. Putain, il y en a deux qui sont morts, je crois, en tout. Hein. Je sais pas combien je suis de patients sauvés, mais... Aidez-moi, code cassé. J'arrive. Meurs pas, espèce d'enculé, sinon je te bute. Hein. Blessé. Bon, il y a que du blessé pour l'instant. Bon, ça se passe bien là, non? C'est moi ou pour l'instant c'est nickel? Bon, il y a que des blessés. Non, il a disparu! Il est mort! Mais putain, mais les blessés meurent avant même que j'ai le temps de soigner les gens qui sont pas dans un état critique. C'est casse-couille ça! On a quoi là? Un blessé, et des blessés. Bon, lui il gueule. Donc on va les soigner. Ah, mais voilà, terminé, je suis trop fort! Coltor, il y en a 5 qui sont morts. Chut! Alors, j'ai réussi l'examen. Docteur Coltor, bienvenue dans les rangs des médecins de l'Alliance. Oh putain, c'est trop cool! On a un certificat de traumatologie de l'Alliance. Putain, mais c'est énorme ce truc. On peut pas le lire. Oh putain, vous êtes sérieux. Bon, tant pis. Peut-être qu'il faudra ramener le certificat à la femme qui avait à Forgefer. Morgan Stern, ok, d'accord. Je prépare un plat que je nomme soupe et insectes rochefange. Il me manque encore quelques ingrédients principaux. Eh bien, je pense que je ne ferai pas long feu à pataugicie tout seul dans le marécage d'Aprofange. Aussi, Goltor, cela vous dérangerait-il de faire une petite partie de chasse pour moi? D'abord, il me faut des langues de tortue rochefange. Vous en trouverez tout le long de la côte, près de la baie. Mais il me faut pas n'importe quelle langue. Hein. J'entends par là que certaines tortues ont la langue fourchue. Il paraît que ces langues fourchues ont un goût particulier et je veux cet ingrédient-là dans ma recette. On se voit plus tard. Bon, après l'élixir d'intelligence, maintenant on va préparer des soupes. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les quêtes, bienvenue dans World of Warcraft. Ah bordel. Allez, Capitaine Garan Vimer. La lumière soit avec vous. Qu'avez-vous entendu au sujet de l'auberge du Repos Ombragé? Tiens, on peut lui poser cette question. Nous ne savons pas grand-chose de l'incendie de l'auberge du Repos Ombragé, à part que la femme et l'enfant de jeune Yal n'ont pas su plus s'échapper. Oh merde! Nous avons réussi à secourir James, mais il n'est plus le même depuis. Nous avons de nombreuses pistes, mais pas de preuves. Nous espérons que les efforts de la garde et des citoyens de Terramort nous permettront d'éclaircir ce crime. Si vous voulez prêter main forte à cette enquête, ce qui reste à l'auberge se trouve à la frontière des Tarites. Ah! C'est un plaisir de vous rencontrer. On va aller inspecter cette. Mais tiens, le pauvre James s'est jamais remis de la destruction du Repos Ombragé et du meurtre de sa famille. Mon gars et moi faisons notre possible pour trouver des salauds qui ont fait ça. J'ai envoyé notre meilleur enquêteur, l'inspecteur Gadget, examiner les ruines. Mais c'est. Non, l'inspecteur Tarem, mais c'était obligé. Mais c'est une trop grande tâche pour un seul homme. Si vous pouviez donner un coup de main à Tarem, nous vous en serions très reconnaissants. La lumière m'en soit témoin. Nous aimerons tous pouvoir aider là-bas. La route principale vous mènera jusqu'à l'auberge, mais faites bien attention. Ce voyage vous conduira au-delà de la protection de mes soldats. Allez, bon, tu sais, hein, franchement, je suis overlevel. Comment ça vous êtes... Chut! Reste RP, Goltor. Merde, je suis trop fort. Casse le RP. Allez. Youhou, bump. Bon, comment je trouve les déserteurs qui sont des salauds? On va aller voir ça.
comme dit Ruzul. Salaud! Il faut que je leur parle, en fait, tout simplement. Toi. Frère Karma... Non, toi, tu es l'entraîneur des paladins, donc... tu es forcément quelqu'un de bien. Forcément. C'est obligatoire. Alors, je peux parler à des gens, là? Comment je trouve qui sont les enculés, là? Toi. Non, mais maître des prêtres... Les traîtres sont parmi nous. On a encore une quête avec le garde Byron. Putain, mais il y a des quêtes partout dans cette zone. What the fuck? Ah, déserteur agitateur, bouge pas. Un Jean-Pascal. Loin dans le cœur du marais vit une femme du nom de Tabetha. Nous n'avons jamais entendu grand-chose sur elle, à part qu'elle est beaucoup plus âgée qu'elle n'en a l'air. Elle nous aide de temps en temps et elle a contribué à maintenir la paix ici, entre la Horde et nos forces. C'est bien ça. Nous étions en contact régulier avec elle, mais nous n'avons plus eu de nouvelles depuis quelques temps. Pourriez-vous aller vérifier que tout va bien quand vous aurez le temps? Il suffit de suivre la route au-delà de la tour de la Halte Nord, là où elle tourne vers le sud en direction du Bourbier. On voit sa ferme depuis la route. Bien sûr que je vais voir cette gentille dame. Alors toi! Salutations. Vous avez l'air d'un paladin raisonnable. Vous rappelez-vous le jour glorieux de Terramort avant que Jaina ne nous force à renoncer à combattre la Horde? Vous n'en avez pas assez d'être obligé à retenir vos coups alors que les orques ne cessent de vous provoquer? Alors déjà, tu dis du mal de Jaina, donc déjà tu pars sur un mauvais point. En plus de ça... Non, en plus de ça, j'ai envie de te péter ta gueule. Donc... Que la journée soit bonne. Les gens sauront que l'amiral, pour revenir, était un vrai héros. Voilà, dégage. Putain, je peux pas te défoncer. T'as de la chance, hein. Parce que j'aurais aimé te fracasser les dents. Mais bon, bref. Là-bas, encore un Jean-Pascal agitateur. Viens ici. Viens ici. Bonjour. Blablabla, bla, dégage. Un bon voyage. Alors, lieutenant. Que puis-je pour vous? Le cartel Gens de Pression a récemment monté un nouveau avant-poste dans le sud du marécage d'Aprofange. Il s'appelle Bourba Brac, si je me souviens bien, et se trouve sur la route principale au sud de la ferme de Tabetha et des ruines Cognepierre. Voilà une excellente occasion pour nous de passer de nouveaux contrats marchands. Dame Jaina veut que j'envoie un porte-parole là-bas pour établir le contact, est-ce que ça vous dirait? Mais bien sûr, putain, on pourrait voir Jaina, ce serait trop cool si on pouvait voir Jaina. Ça serait tellement bien. Putain, encore les agitateurs de merde. Cassez-vous. Salutations. Cassez-vous. Que la journée soit bonne. Hein? Pardon? Arrêtez, vous faites erreur, mon ami. Alors là, t'as la chance, je peux pas piller ton cadavre. Goltor qui massacre des gens. Bon, en même temps, hein, c'est eux qui l'ont cherché. Hein. Je suis désolé, mais... On parle pas mal de Jaina. Je vous souhaite une bonne journée. Déserteur, ton barata m'intéresse pas. D'ailleurs, oui, voilà, oui, c'est vrai que je commence à faire... Une aparté là-dessus, hein, quand je parlais tout à l'heure des personnages féminins forts. Oui, je dis qu'il fallait un petit peu plus, on va dire, finir un petit peu, aller plus loin dans ce que j'étais en train de dire. C'est que, voilà, beaucoup de choses doivent être améliorées, mais il faut arrêter de penser que c'est un combat nouveau, ce truc-là. Et que c'est un truc à la mode. C'est un truc qui doit être fait sur le temps et qu'il faut continuer à faire tout le temps et tous les jours. Alors attention, hein, de faire ça en mode intelligent, c'est-à-dire, je parle du combat contre, pour les femmes, hein, contre le fait que voilà, elles sont pas égalitaires avec nous, de très loin malheureusement d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est bon, commencez pas à venir à chaque fois qu'il y a un film qui sort avec une femme dessus, j'en ai marre d'entendre dire « ouais, c'est trop bien, c'est pour l'égalité des femmes », non, non, non. Enfin c'est bien, mais ça fait pas tout, c'est pas parce qu'il y en a un qui sort un film ou un jeu vidéo avec une femme dedans, que ça fait évoluer les mentalités, hein. Il faut faire plus que ça, mais bref. Bon, bien joué Goltor. Je crois que nous avons réussi à les prendre par surprise. Leurs agents pensaient sans doute en être en sécurité dans les murs de la ville. Avec le temps, les agitateurs reviendront et recommenceront à propager leurs mensonges. Nous mettrons à profit le répit que nous avez apporté pour écarter les déserteurs de plus en plus. Si tu veux, moi je peux les écarter définitivement. Ah, vous êtes maintenant honoré auprès d'Obekla. Nice. Les agents des déserteurs se contentaient pas de bonimenter les gardes, loin de là. Nous avons trouvé un certain nombre de tracts qu'ils ont réussi à faire passer dans un bateau sur les quais. Le bateau qu'ils ont utilisé est encore à Terramort, sur le quai le plus éloigné. Si vous réussissez à vous introduire à bord et vous emparer du reste de leurs tracts de propagande, leurs agents perdront leurs outils le plus efficace. Faites attention! L'équipage est composé de corsaires expérimentés et la cargaison est probablement entreposée dans les quartiers du capitaine. J'en ai rien à foutre. Où est le bateau? Où est le bateau? Où est le bateau? Attends, mais il y a encore une diète. Non, mais c'est encore les bienfaits, là, du pèlerin. Petit focus sur ce qu'on doit faire. Le vieux phare
et la propagande. Ensuite, on doit remonter pour récupérer les langues fourchues, puis ensuite repartir ici pour voir si ta bêta va bien, repartir là-bas pour bûcher, repartir... On en a des choses à faire, n'est-ce pas? Vite hein. Allez, direction le port. On commence à marier avec la France. À chaque fois, j'ai cette... Alors bon, oui, je sais que je le répète souvent, cette phrase à la con. Mais pour ceux qui connaissent pas, ça vient tout simplement d'Astérix. Hein. Les 12 travaux d'Astérix, en fait, à un moment donné, Astérix, souvent d'ailleurs, à un moment donné, où ils doivent récupérer le laisser-passer à 38, ou un truc comme ça. Il pète un câble, et en fait, il parle tout le temps à un vieux, et le vieux, il dit, mais quel port, je sais pas quoi. Et l'autre, il dit, non, le laisser-passer à 38. L'autre, il est là, vous commencez à relier avec le port. Petite référence hein, de vieux dessins animés. Je vous conseille de le voir, de toute façon, c'est des très 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 bons trucs. Ils sont level 36, les enfoirés, putain. Oh, c'est un nain, je peux pas taper. Non mais... Écoute, tu es un nain, normalement je te... Chut. Voilà. Laissons-le en vie. Je ne peux pas tuer un frère nain. Je ne peux pas. Donc, fuyons. Mais Goltor, c'était le capitaine de... J'en ai rien à foutre, je le tue pas. Bon, je dis ça, j'en ai tué je sais pas combien des nains, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. On va aller directement récupérer cette quête ici, avant de revenir. Babs Phare sur l'île, pour voir ce qu'il voudrait. Ou alors... Non, ou alors, je vais déjà valider cette quête, en fait. On va faire ça plutôt, on va valider cette... Putain, mais on est déjà à 46 minutes de... Oh, fuck. 45 minutes, on a déjà passé 3 quarts d'heure. Putain, mais j'ai l'impression qu'on fait rien. Ça, c'est un truc qui m'étonnera toujours. Comment les gens font pour faire des vidéos de 10 minutes? Impossible. Avez-vous réussi à trouver et à prendre les pamphlets de la propagande... Les pamphlets, pardon, restants? Oui, tiens. L'agent du SI7 hoche la tête en signe d'approbation. Ah, c'est un agent du SI7. Excellent! Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de discréditer les déserteurs pour qu'ils ne réussissent plus jamais à entendre leur, étendre leur influence sur Terra Mort. Et j'ai un plan parfait pour ça. Et la journée sera bonne. Pardon? Ce serait vraiment dommage de perdre ses pamphlets, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ça m'intéresse. Elle est en train de les rafistoler et elle va mettre autre chose dessus. Des textes qui vont énerver tout le monde, j'imagine. Voyons quelques corrections créatives et ils pourraient devenir très utiles. Alors vous voyons, qu'est-ce que tu as fait? J'ai modifié les tracts que vous avez subtilisés aux amis mercenaires des déserteurs sur les quais. Désormais, quiconque lira aura une vue bien différente des déserteurs et de leurs intentions. Si nous en distribuons assez aux gardes, les déserteurs seront bien trop déstabilisés pour réussir à étendre à nouveau leur influence sous nos murs. Kalia vous tend un paquet de pamphlets trafiqués. Pourquoi ne pas vous y mettre pendant que je prépare la prochaine étape de notre plan? Putain, c'est un plan, c'est un sacré paquet de parties. Messieurs les gardes! S'il vous plaît, tenez. Vous avez l'air de quelqu'un d'intelligent. Lisez donc un de nos pamphlets et réfléchissez, d'accord? Merci, il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'on peut les lire, nous? Putain, on peut pas les lire. Mon toit. Salutations. Pourquoi? Pour faire du poulet le symbole officiel de Terra Mort, vous êtes complètement dingue. On se voit plus tard. Je vous garde votre machin, il sera très utile aux toilettes. L'objectif des déserteurs est militairement où tous les citoyens seraient libres de jongler à toute heure du jour et de la nuit. Il n'y a pas une coquille quelque part? Non mais c'est une blague. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Marrant, tiens. Allez, allons voir quelques gardes par-ci, par-là. Monsieur le garde. Salutations. Tenez. Que la journée soit bonne. Alors voyons, qu'est-ce qu'il va dire? Allons l'auberge. Je vous paierai un verre. Quoi? Comment ça, pour 50% de remise? Merde. 50% de remise sur les caleçons du déserteur. Putain, mais sérieux, c'est abusé. Hein. Le travail quand même des gens je qui ont fait les quêtes, c'est fou. Pour l'alliance. C'est quand même un truc de dingue. Hein. Ils sont vraiment amusés. Hein. Pour faire du poulet, voyez, voilà, le symbole officiel. Qui sont cons. Et oui, parce que tout ce qu'on voit, c'est des gens qui l'ont imaginé. Hein. Ces dialogues, ils se sont dit, tiens, je vais mettre ça pour faire du poulet, notre truc, et notre le symbole officiel. Et en plus, je vais l'utiliser sur papier pour les chiottes. On se voit plus tard. Est-ce qu'il y a une autre ligne de dialogue? La création de fonds consacrés à, la, à l'achat de gel pour les cheveux. Ma coiffure me convient, merci bien. Ah, mon Dieu, quelle bande de cinglés. Que puis-je pour vous? Allez, tiens. Prenez soin de vous. Le dernier. 50% de remise sur les caleçons de déserteurs, c'est quoi ces âneries? Pour pas dire ces conneries. Allez. D'ailleurs, un petit truc en passant, hein. Je sais pas si vous savez pourquoi on dit coquille.
C'est tout simplement lorsqu'il y a une faute de frappe, ça tout le monde le sait, hein, quasiment. Mais par contre, pourquoi on a choisi le mot coquille ? Eh bien, vous enlevez juste le cul dans coquille et vous comprendrez pourquoi. Il y a une couille dans le texte. Mais comme c'était trop vulgaire, on le sait coquille. Et c'est véridique d'ailleurs en passant, c'est pas de conneries que j'invente. Hein. Bref, j'ai cru entendre que les rires, j'ai cru entendre des rires en provenance de la caserne. Vous distribuez les pamphlets, mais bien sûr. Kali éclate de rire quand vous lui décrivez les réactions des gardes au tract de la propagande. Exactement comme je l'espérais. Je pense qu'on peut dire sans trop s'avancer que si un agent des déserteurs essaie d'infiltrer Terra Mort, il sera chassé sous les colibés, mais bien sûr. Maintenant que nous avons éliminé les déserteurs de Terra Mort, il est temps de mettre un point final à cette opération. Mes contacts locaux m'ont rapporté que la base des déserteurs est un bateau ancré sur une petite île au sud-est des quais. Arrêter leur chef, Gavis Targe Grise, devrait faire perdre aux autres la volonté de combattre. Trouvez-le dans le bateau et persuadez-le de se rendre. Je ne serai pas surprise qu'il résiste un peu pour sauver les apparences, pour finalement se rendre quand il comprendra qu'il ne peut pas gagner. Bah allons lui botter le cul à ce connard là qui a déserté et qui essaye de faire chier tout le monde là. On va remettre tout ça en place, non Méo? Ah oui, il est là-bas au fond. Putain, vous avez des canons, vous pouvez pas le bombarder là? Moi j'aurais réglé le problème de manière vite fait. Hein. C'est ça le problème, les gens disent oui, la force ne résout pas les problèmes, mais bon, ça contribue quand même pas mal. Hein. N'hésitez pas. Hein. Moi je serais arrivé, j'aurais foutu un boulet de canon, j'aurais coulé le navire, j'aurais dit voilà. Problème est réglé. Mais bon. On va arrêter ce monsieur, on va le livrer à la justice et on verra bien ce qui va se passer. Émasculé. Putain, mais c'est loin, ça achaille ce bateau là. Hein. Allez, Goldor, tu peux le faire. Je peux le faire. À moins qu'il y ait peut-être un bateau. Il y avait peut-être un bateau pour rejoindre rapidement. Je ne pense pas, hein, sinon ce serait trop facile. Déserteur de Terra Mort. Tu as osé déserter l'alliance avec Jaina, quoi. Sérieux, tiens, ça t'apprendra. Putain, Jaina, quoi. Oula, j'ai un petit freeze là. Alors, bonjour. La soupe est dégueulasse. Oh, on peut les looter ceux-là. Merci. Putain, c'est vrai qu'il faut que je trie tout ça. Hein. J'ai tellement de merde. On pourrait faire un peu de place. Mais bon, le tort et la place, hein, c'est un peu. C'est un peu spécial. Alors, monsieur le capitaine, j'ai un message à vous apporter. Moi, péter ta gueule à toi. Tiens. En fait, j'hésite à lui mettre des trop grosses baffes. Donc on va rester en coup blanc au cas où. Parce que j'ai pas envie de le one-shotter et que ce soit en mode, bon tant pis, vous l'avez tué. Il faut attendre qu'il respawn. Voilà. Alors on se rend. Je me rends! Posez votre arme! Bien sûr que tu te rends, sinon mon arme, tu vas voir où je vais la poser. J'irai avec vous, mais épargnez mes hommes, ce sont de braves gars qui ont fait une erreur. Ah, c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est un bon capitaine. Bon, t'as de la chance, on a dit que j'allais pas te tuer, donc je te laisse en vie. Ne regarde pas ce qu'il y a ici. Je te laisse en vie! Mais c'est mes copains qui sont morts! Mais non, il faut une sieste. La violence, quoi. Allez, par où on va remonter, par contre? C'est chiant, hein, de passer. Ah, est-ce qu'on va pas au phare? Ouais, non, c'est chiant. Putain, mais il y a tout le temps les trucs à 300 bornes, là. Pourquoi ils ont pas regroupé les... Bon, c'est pas grave. Le truc gros s'emmerde. Oh putain. J'espère que Argus va rester là. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais vu qu'elle a été téléportée entre guillemets pour nous envahir, j'espère qu'elle va rester sur. Enfin, non, c'est pas ça. Non, c'est pas téléporté pour nous en. Quoique si, c'est la base de la Légion. Ou non! Oh, je sais plus, non, c'est Khadgar qui l'a fait. Oh, je sais plus exactement. Je vais pas dire de conneries, donc je vais dire je ne sais pas, parce que je ne sais plus comment Argus est arrivé ici. Mais je crois que c'est en fait la base de la Légion, et on a été les chasser directement chez eux. Et du coup, on l'a là avec un espèce de truc. Bon, de toute façon, un peu l'univers de Wu, hein, il est étendu, distordu, tout ce que tu veux. Enfin, un peu ce qu'on veut avec les astres et les époques d'ailleurs. On repart dans le futur, on vient dans le passé. Enfin,
C'est un truc un peu n'importe comment. Mais bon. Composant d'artisanat. Faut que je trie tout ça. Putain, il m'a donné plein de... Putain, mais c'est tout ce qu'il y a comme composant. On va replaquer ça, d'ailleurs. Madame. Terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Il s'est rendu. La demande de Gavis n'est pas si délirante qu'elle en a l'air. Elle s'y prêtait bien. Dame Jaina pourrait ramener les déserteurs au bercail. Mais c'est à elle d'en décider, bien sûr. Oh, dis-moi qu'on va la voir. J'ai eu grand plaisir à travailler avec vous, Goltor. Sans votre aide, je ne pense pas que tout ceci... Enfin, que tout se serait aussi bien déroulé. Quand je ferai mon rapport au Hurlevent, vous y figurez comme le paladin qui a mis fin à la menace des déserteurs. Que la journée soit bonne. La cape de Port-Vaillant. Putain, et la cape, elle va être dégueulasse. Ouais. Bon, attendez, mais j'ai une autre quête, là. Ah, mais le sergent. Salutations. Enfin, la sergent. Il y a un gars connu par ici sous le nom de Jarl Œil des Marées. Il vit tout seul dans le marécage. Il y a quelque temps, il a récupéré le manoir des Flammes Noires, Flammerolles, suite à la disparition des propriétaires précédents dans de mystérieuses circonstances. J'aime bien envoyer quelqu'un là-bas de temps en temps. Jarl me rappelle un peu mon grand-père, vous voyez. Certains disent qu'il n'a pas vraiment toute sa tête. En vous dirigeant vers le nord-nord-ouest, sur la route qui part de Terramor, vous trouverez le manoir des Flammerolles dans le coin de la colline des Sorcières, avant que la route n'oblique à l'ouest. Que la journée soit bonne. Ok. Putain, mais on a tellement de gens à aller voir. Putain, mais c'est un truc de fou, toutes ces quêtes-là. Bon. On va aller voir le gob, ou je sais plus quoi, là-bas, sur le... Comment ça s'appelle ? Dans le phare. Voir un petit peu ce qui se passe pour réparer ce phare. Réparation ! On dirait les gens dans Fallout New Vegas, mais d'ailleurs hein, Fallout New Vegas qu'on a abort, mission abort, mais bon, qu'on prendra peut-être un jour, on verra, trop de choses à faire, trop de jeux, les bandages, je vais les balancer, hein. Je pense qu'on en a plus rien à foutre, je vais prendre un punch du raptor, même 2, 3, 4, même 5 en fait, pour nous la gueule, et un petit nectar sucré pour faire passer le tout. Bonjour, ah mais c'est une gnome, c'est ça. Putain, mais il y a plein de personnages féminins partout, là. Bien, toute aide que je pourrais recevoir me sera utile. Ma première priorité est de rallumer la lampe. J'imagine, pour un phare, c'est sûr que ça peut être utile. Le vieux journal trouvé dans le phare indique que la lampe était alimentée par de l'huile extraite de la graisse des batteurs qui vivent le long de la côte. Oh, mon Dieu. Elle fait la grimace à l'idée d'une technologie aussi arriérée. Oui, parce que bon... Je suppose que c'est la solution pratique malgré son inélégance. D'après le journal, c'est l'huile des batteurs debout les plus jeunes qui donne le meilleur résultat. Ils vivent juste sous les docks de Terramor. Accepteriez-vous de m'aider à réapprovisionner le phare en huile? Bien sûr, mais par contre, ça serait bien que vous fassiez des stocks de tout ça, hein, parce que si à chaque fois vous devez demander de l'aide à des pauvres gens qui passent dans les parages, qui sont là pour sauver le monde... Bon... Tu me diras, sauver le monde, ça comporte plein de choses, mais rallumer un phare, il me semble pas que ce soit non plus la priorité absolue, hein. Bon. Quand t'as des Enzot et autres qui se baladent et qui foutent le bordel partout. Bon, de l'huile de batteur, heureusement, il faut en ramasser que 4. Je ne suis pas à portée. Je ne suis pas à portée. Mais tu vas être à portée, c'est moi qui te le dis. Voilà. Bouclier, hein, tellement le best sort. Allez. Putain, mais ils donnent pas tous du loot. Salon. Pas de loot non plus. Je dois m'approcher. Il me faut une cible. Mais merde. Ça commence à être chiant là. Ah, quand même. Et là, hop, je vais ramasser un objet à la con et pas de truc. Non, c'est bon. Allez, ramenons l'huile. Ah, de l'huile. Bon, beaucoup de balades hein, quand même dans cet épisode. Hein. Voyager d'un point A à un point B, dans la flotte, dans les airs, dans les trucs. On n'a pas fait des trucs fifous hein, quand même, malheureusement. Bon, là on arrive quand même dans un endroit plutôt sympa. Avez-vous pu vous procurer de cette huile de batteur? Oui, tiens. Elle est déjà en pot en plus, c'est pas magique ça. Bon, j'ai mes réserves, mais c'est la seule solution disponible pour l'instant. Une fois que la lampe sera remise en état de marche, je suis sûr que nous pourrons
Rechercher d'autres moyens de l'alimenter. Bah oui, j'espère quand même, hein, parce que bon, ça va être un peu dégueulasse son truc. Vous savez, c'est vraiment ahurissant. Tout ce qu'on peut trouver dans ce vieux phare, après avoir allumé la lampe, J'ai remarqué ce livre dans une des vieilles malles, là-haut. Babs brandit le livre en citant le titre avec emphase. Créature ignoble des profondeurs. Je pense que si jamais je voyais une de ces créatures, je m'évanouirais. Je suis sûr qu'il y a bien moyen de rigoler en lisant le livre, mais je n'ai tout simplement pas le temps en ce moment. Mais il y a quelqu'un qui apprécierait sans doute beaucoup trop, je pense. Le poissonnier des quais. Michael Crado, Crow, d'accord. Michael, il collectionne les livres anciens. Bon, on lui a mis ce petit livre ancien. Même si vous m'emmerdez à devoir à chaque fois traverser partout, là. Mais bon. Faisons comme si rien n'était. Il y a un gnome là-bas au fond, si, tiens, qui fait ses quêtes. Je vais le faire à chaque fois qu'on se fait chier, tu sais. Vite, on va passer où? Par là? Oui, par là, je crois. Il me semblait, hein, qu'on peut... Ah si, on peut monter par là. Putain, il est plus rapide que moi. Ah mais c'est un mage. Oui, il a le blink. La téléportation. Beaucoup plus pratique. Donc, monsieur le poissonnier. Je vous souhaite une bonne journée. Créatures ignobles des profondeurs. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Le brochet est très bon. Eh bien, la petite Babs, c'est bien gentil d'avoir pensé à moi. Je ne sais pas si vous avez feuilleté le livre, mais il y a beaucoup de vrai dans les histoires qui y sont racontées. Les marins n'ont pas tout inventé, vous savez. Oh, je ne doute pas que Babs et vous ayez bien rigolé à la lecture des descriptions des croquis du livre. Mais avez-vous pris le temps de réfléchir au fait qu'il puisse y avoir une part de vérité dans ces légendes? Le légendaire lac, le serpent du lac de l'ombre. Si vous tendez l'oreille, je suis sûr que vous pourrez encore entendre les marins parler de Tétir, la créature marine qui, d'après le livre, vit juste ici. Bien sûr, si vous voulez en avoir le cœur net, vous pourrez toujours demander au vieux Nat Pagel. Quoi? Nat Pagel est ici? Il tient un modeste camp de pêcheurs sur une petite île de la crique de Mascaret, au sud-ouest, de l'autre côté de la baie de d'Aprefange. Nat Pagel. Nat Pagel, c'est le plus grand pêcheur du jeu, hein, qui a vraiment des trucs vraiment sympas. C'est un peu comme Emmett Nezingwari au niveau de... Voilà, Nat Pagel, il existe par là. Au niveau du lore, entre guillemets, un spécialiste, non de la chasse, mais de la pêche. Nous, c'est passé ces cargaisons, ça fait des jours qu'ils me font attendre. Bref. Bon, écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Ça y est, on a dépassé l'heure, là. Bon, on est quasiment pile-poil à une heure. Mais bon, vu qu'il faut repartir à droite et à gauche, qu'on a fait beaucoup de blabla, beaucoup de... Bon, il y a quand même beaucoup de quêtes hein, dans le marécage. On va voir un petit peu tout ça. Bon, en tout cas... Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode de WRPG. Bien sûr, évidemment, d'ici là... Oh putain, la posture, trop stylée. D'ici là, évidemment, portez-vous bien. À la prochaine, et on fait un petit saluer. Nye, ciao, ciao, les amis.